Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez? On peut commencer? Oui. Oui. Allez, très bien, on va commencer au premier cours. On va parler des mycobactéries. Donc, bienvenue à tous. Donc, le premier cours, on va commencer donc, par les mycobactéries. Comme vous le savez, le rôle du laboratoire. Donc, vous pouvez poser des questions et faire des commentaires au fur et à mesure, hein. Donc, on va continuer comme on a l'habitude de faire. Même si on est à distance cette fois-ci, on n'est pas dans la même salle. Donc, on va parler des mycobactéries. Donc, le rôle du laboratoire de microbiologie est d'apporter quoi? Quel est son rôle? La confirmation bactérienne. Vous arrivez à suivre ou pas? Vous m'entendez? Oui. 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 Commencer? On peut continuer. Oui. Bien. Donc, le rôle du laboratoire, je disais que le rôle du laboratoire de microbiologie, c'était de faire quoi? Diagnostic biologique. Très bien. Donc, le rôle du laboratoire était d'apporter la certitude diagnostique des infections. Donc, on va parler actuellement, vous êtes en pneumo, on va parler des atteintes d'origine microbienne, donc pulmonaire. Donc, les mycobactéries, c'est un groupe particulier de germes. Qu'est-ce qui caractérise ce groupe de bactéries? C'est aérobique. ils sont responsables de quoi? La tuberculose. De la tuberculose. Donc, la tuberculose est une infection qui existe depuis plusieurs siècles, reconnue dans les différentes médecines, et elle est due à un germe particulier qui s'appelle Mycobactéries. Donc, la classe, donc ils Mycobactéries. appartiennent à la famille des Mycobactériacées, de l'ordre des Actinomycétales. Comment on définit ce groupe? Qu'est-ce qui caractérise, quelle est la particularité de cette bactérie? C'est Aérobique strict. L'acido-alcoolo-résistance. C'est un caractère majeur de ce groupe de bactéries. D'accord? Donc, cette bactérie, elle a une caractéristique majeure. Vous voyez en bas de la diapositive ce qu'on appelle l'acido-alcoolo-résistance, qui est une caractéristique qui définit ce groupe. Donc, la définition actuelle du groupe, elle se caractérise par l'acido-alcoolo-résistance. Et cette acido-alcoolo-résistance, elle est due à quoi? Finalement, elle est due à quoi? Elle est due à. Sa membrane. Voilà, c'est la structure de sa paroi. D'accord? C'est la structure de la paroi. On sait que la paroi bactérienne, comme vous le voyez sur le schéma, elle est composée de quoi? Elle est composée de ce qu'on appelle du peptidoglycane. Donc, toutes les bactéries possèdent une paroi. Bien sûr, exception faite pour les genres un peu particuliers, comme les mycoplasmes. Les mycoplasmes, c'est des bactéries apparentées, mais qui ne possèdent pas une paroi. D'accord? Donc, la paroi bactérienne est un élément constitutif obligatoire. Ce qui caractérise les mycobactéries par rapport aux autres groupes bactériens, c'est que dans leur paroi, ils possèdent, en plus du peptidoglycane et de l'arabinogalactone, une couche épaisse de ce qu'on appelle les acides mycoliques. D'accord? Donc, les acides mycoliques, qui est donc de nature, donc c'est un constituant de nature lipidique, il permet à la bactérie d'avoir ce caractère acide-alcool résistant. D'accord? Donc, définition actuelle Hakim, du genre, les mycobactéries appartiennent aux ordres. Hakim, Oui. pouvez-vous S'il vous accepter plaît. les ordres? Accepter les ordres, voilà, oui, je vais. C'est réglé ou pas?
C'est réglé pour les autres ou pas? Pas encore. Pas encore. Docteur, c'est bon. Eh ben, c'est bon. Tout le monde est là. Normalement. Très bien. On continue alors. Oui. Ah, il y a très bien. Donc, pour reprendre pour que ceux qui viennent de se joindre à nous, donc on avait défini comme actuellement, c'est des bactéries qui se définissent par leur caractère acido-alcoolo-résistant, et ce caractère majeur, il est lié à la structure de la paroi. La paroi est un constituant donc obligatoire, indispensable pour les bactéries. Dans cette structure de paroi, ce qui caractérise cette bactérie par rapport aux autres, c'est la présence de ce qu'on appelle les acides mécoliques de nature lipidique et qui confère à cette bactérie ce caractère d'acido-alcoolo-résistance. Maintenant, comment on peut classer ce groupe de bactéries? On peut classer ces bactéries selon plusieurs critères. Donc, le temps de génération. Quand on parle de temps de génération, pour vous, ça sous-entend quoi? C'est le? La multiplication. La multiplication. Le temps de génération, pour vous, c'est quoi? C'est? La multiplication. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Ouais. Donc, le temps de génération, c'est le délai de culture. Ce groupe de bactéries, il est, par rapport à la culture, c'est une bactérie qui pousse rapidement, qui pousse lentement, c'est? Lentement. C'est des bactéries qui poussent très lentement. D'accord. Le temps de génération, c'est le délai pour le dédoublement. C'est une bactérie qui se divise combien de fois par jour? C'est chaque, sa division, elle est de? Chaque 20 heures. C'est une bactérie, le Mycobacterium tuberculosis, c'est des bactéries qui poussent, qui se multiplient une seule fois chaque 20 heures. D'accord. Donc, on peut utiliser le temps de génération, le pouvoir pathogène de la bactérie, et enfin, on peut les classer selon l'importance médicale. Donc, ça correspond à dire quoi? Donc, nous allons, selon le temps de génération, nous distinguons, selon le temps de génération, on a deux types d'espèces. Les temps de génération qui sont lents, c'est-à-dire une division chaque, presque chaque une journée, et nous avons certaines espèces qui peuvent pousser rapidement de 2 à 5 heures. D'accord? Nous avons deux groupes, les espèces qui poussent rapidement et les espèces qui sont à croissance lente, une division par jour. Selon le pouvoir pathogène, là, on distingue ce qui est pathogène strict. Quand on parle de pathogène strict, on sait que la tuberculose, le M. Mycobacterium tuberculosis, c'est une bactérie qui est responsable d'infection qui s'appelle la tuberculose. La tuberculose. Quand on dit que c'est un pathogène spécifique, c'est-à-dire à un germe, une pathologie spécifique. C'est comme vous parlez, vous dites Salmonella typhi, ça égale à fièvre typhoïde. Une salmonelle typhoïde donne la fièvre typhoïde. Brucella donne une brucellose. C'est-à-dire, c'est des germes pathogènes stricts. Quand on les trouve des prélèvements, ça signifie une infection. Donc, dans les pathogènes stricts, pathogènes, on a le M. tuberculosis et on a des germes pathogènes opportunistes qui peuvent profiter d'une situation immunodépression et les saprophytes qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, selon le pathogène naturel, il y a ce qui est strict, le M. tuberculosis, le bovis, l'africanum, qui peuvent être responsables d'infections. Et on a, selon l'importance médicale, et là, c'est la classification qu'on retient,
Souvent, c'est avec cette classification qu'on travaille. Donc, selon l'importance médicale, on connaît les mycobactéries qui sont responsables de la tuberculose. Et là, vous avez le complexe, le classique complexe tuberculosis qui comprend le M. tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, le Mycobacterium bovis, le Mycobacterium africanum. Le bovis africanum, c'est un peu particulier, bovis c'est les bovins, africanum c'est les germes retrouvés en Afrique. Vous voyez à droite comment se présentent les bactéries se présentent sous la forme de... Quelle est la forme de ces bactéries? C'est... Forme bâtonnée. Voilà, c'est des bacilles. On les appelle bar. Pourquoi bar? C'est bacille, acide, alcool, résistant. Acide ou alcool. Exactement, d'accord. Si on les appelle bacille, acide, alcool, résistant, on qualifie par rapport à ce qui est retrouvé dans la structure de cette bactérie. Donc, le deuxième groupe qu'on a, c'est les mycobactérium leprae, qui est responsable de la lèpre. Et enfin, vous avez les mycobactériums de l'environnement, ce qu'on appelle les mycobactéries atypiques. Elles sont un peu atypiques et caractéristiques un peu. On les retrouve dans l'environnement, à la différence du complexe tuberculosis, puisque la tuberculose est une maladie transmise. Transmise comment? Par voie aérienne. Par voie aérienne, c'est-à-dire elle est strictement interhumaine, c'est de l'homme infecté. Voilà. Par contre, le troisième groupe, c'est des mycobactéries. Donc, elles appartiennent à cette bactérie, c'est des BAR, c'est des bacilles acido-alcoolo-résistantes, mais qu'on peut retrouver dans l'environnement. Elles survivent tranquillement dans l'environnement et sont responsables de ce qu'on appelle les mycobactérioses, un peu particulières, ce qu'on retrouve surtout chez le sujet immunodéprimé. D'accord. Donc, voilà comment on classe ces mycobactéries. Souvent, on va utiliser, nous, en pathologie humaine, en utilisant médical, on utilise cette classification. Le complexe tuberculosis qui comporte l'agent de la tuberculose, le M. tuberculosis, le bovis, l'africanum. À côté de ce complexe, il y a les mycobactéries responsables de la lèpre, donc la Mycobacterium leprae, et on a un groupe hétérogène, les mycobactéries de l'environnement, ce qu'on appelle les mycobactéries atypiques. Quel est le point commun à toutes ces bactéries, puisqu'elles appartiennent toutes au complexe, donc à la famille des mycobactéries? Le caractère commun, c'est l'acido-alcoolo-résistance. D'accord? C'est toutes ces mycobactéries, quand on fait une coloration, vous allez me dire quel type de coloration. Ce n'est pas la coloration de Grimpe qu'on va utiliser, mais c'est le Zill-Nelson. D'accord. Donc, pour mettre en évidence les mycobactéries diagnostiques de la tuberculose, on va utiliser une coloration spécifique qui s'appelle le Zill-Nelson et elle va mettre en évidence cette acide-alcoolo-résistance. Qui veut dire quoi, acide-alcoolo-résistance? Est-ce que c'est un caractère physico-chimique ou c'est un caractère... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi l'acido-alcoolo-résistance? Qu'est-ce que ça signifie, acido-alcoolo-résistance? Après coloration de Zell-Nelson, si on utilise l'acide ou bien l'alcool, elle ne décolore pas. Très bien. Maintenant, quand on va mettre cette bactérie au contact de l'acide et de l'alcool, est-ce que cette bactérie va rester viable ou elle ne restera pas viable? Rester viable. Rester viable. C'est-à-dire, c'est l'acide alcoolo-résistance? Oui. Non, il faut faire la distinction entre les deux caractères. D'accord. Quand on dit acide alcoolo-résistance, c'est une affinité tinctoriale. Tinctoriale qu'on va utiliser pour colorer la bactérie. D'accord. Il faut faire la distinction aussi avec l'autre propriété physico-chimique. C'est-à-dire physico-chimique, quand on parle des UV, est-ce que la lumière solaire tue cette bactérie, oui ou non? Oui. Cette bactérie, elle est sensible à, par exemple, on va dire, les UV. D'accord? Donc ça, c'est des propriétés physico-chimiques. C'est-à-dire la survie de la bactérie au contact de l'air, au contact des rayons solaires, au contact des détergents, de l'eau de Javel, de l'alcool et de l'acide. Ça, c'est un autre paramètre. Mais quand on parle d'acide alcoolo-résistant, pour définir la bactérie, le groupe, c'est B, bacille, acide, alcool, résistant, mais
pour la coloration aux îles Nelson. D'accord? Donc, on va par la suite parler des propriétés physiques chimiques de cette bactérie. Donc, il faut garder à l'esprit que c'est une affinité de coloration. Donc, pour le diagnostic, on fait une coloration appelée îles Nelson parce que la structure de la paroi, elle est particulière. On mettra en évidence des barres, c'est des bacilles, acides alcoolorésistants. Et c'est un caractère commun à toutes les mycobactéries, qu'elles soient typiques ou atypiques, lépraées ou autres mycobactéries atypiques. D'accord? Donc, c'est toujours le même aspect, c'est des bacilles acides alcoolorésistants. Et ce qui rend ce test, ce n'est pas un test de référence pour le diagnostic, ce n'est pas le gold standard. Il permet d'apporter le diagnostic, mais ce n'est pas le test de référence pour diagnostiquer la tuberculose parce que toutes les mycobactéries se ressemblent. C'est des pas. Vous avez saisi ce que je veux dire. Vous arrivez à suivre? Oui. Très bien, on avance. Maintenant, on va parler du mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose, découvert par corps, puisqu'on l'appelle BECA. Bien sûr, la morphologie de cette bactérie, comme vous le voyez, donc c'est un bacille, acide alcool résistant, et qui peut être révélé par plusieurs techniques, parmi lesquelles le îles Nelson, que tout laboratoire doit un minimum pour diagnostiquer cette bactérie, et on peut utiliser aussi des colorations spécifiques telles que l'oramine. D'accord. Donc on l'appelle aussi le BECA, par rapport à la découverte, découverte par Korff dans les années 1880. Et, caractéristique toujours, c'est le bacillo acido alcoolo résistant. Comme vous voyez sur la diapositive, vous voyez, c'est des bâtonnets rouges sur un fond bleu. Et on va tout à l'heure, en parlant donc, de la partie diagnostique, on va expliquer c'est quoi ce bleu, c'est quoi ces différents éléments qu'on voit. Les caractères de culture, bien sûr, comme ça touche le poumon, c'est une bactérie aérobie stricte, c'est-à-dire bactérie qui aime l'oxygène. D'accord? C'est ce qui explique qu'elle touche au départ le poumon et puis elle peut disséminer vers d'autres organes. Bien sûr, vous savez comment évolue la tuberculose après une primo-infection, donc la latence, etc. Vous l'avez vu en clinique. D'accord? On passe rapidement par rapport à ça. Donc, c'est une bactérie aérobie stricte qui pousse comme toutes les bactéries d'intérêt médical à température du corps humain. Et caractéristique majeure, c'est sa croissance lente. Une division par jour, c'est ce qui explique aussi qu'on a un traitement, on prend une dose par jour, à l'inverse des autres bactéries qui poussent un peu plus rapidement, où il faudra prendre plusieurs doses par jour pour pouvoir garder une concentration d'antibiotiques plasmatiques efficaces. Le milieu d'isolement, le milieu de culture utilisé souvent, c'est dans un laboratoire, c'est le milieu Löwenstein. Vous le voyez, donc c'est un milieu vert qui comprend du vert de malachite. Donc, il permet rapport qualité-efficacité. C'est le milieu le plus souvent utilisé dans les différents laboratoires. Il permet d'apporter la certitude diagnostique par la mise en évidence de la culture. Bien sûr, et il faut savoir aussi qu'il existe d'autres milieux de culture qui peuvent être utilisés, qu'ils soient liquides ou solides. L'aspect caractéristique de la colonie, c'est l'aspect en chou-fleur. Chou-fleur. D'accord, le chou-fleur, c'est une colonie, vous voyez sur l'image, donc irrégulière, rugueuse, beige crème, donc qui apparaît aspect beige crème. Bien sûr, on va passer rapidement par rapport au caractère biochimique, donc qui se caractérise par une catalase, la nitrate réductase, l'éniacine test. Ça, ce que vous voyez, c'est les différents tests biochimiques qu'on peut réaliser au laboratoire qui nous permettent de faire quoi? Une identification de l'espèce bactérienne. D'accord? Parce que quand on fait un diagnostic, vous avez une colonie pour pouvoir dire Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, on a besoin de pratiquer certains tests qui sont catalase, niacine, radomas, ça s'appelle les différents tests biochimiques qui permettent l'identification de l'espèce bactérienne. Maintenant, on arrive au caractère. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'acido-alcoolorésistance. On va revenir. C'est quoi la viabilité du virus, de la bactérie, du mycobacterium bactérien? Vous voyez, aux agents physiques, c'est une bactérie qui est sensible à la chaleur et résiste à 4 degrés. C'est ce qui explique qu'on peut, par exemple, conserver un prélèvement à basse température.
C'est-à-dire quand on a un prélèvement au laboratoire, il vient fin de journée, donc on ne peut pas le pratiquer tout de suite, on ne peut pas le technique au laboratoire tout de suite, on peut mettre le prélèvement au réfrigérateur. Voilà ce qu'on appelle les propriétés physico-chimiques. La bactérie, elle est sensible à la chaleur, elle est sensible aux ultraviolets. C'est ce qui explique quand on fait par exemple le prélèvement, on demande de faire des prélèvements dans des récipients opaques. Le crachoir, il doit être noir pour éviter les rayons ultraviolets qui peuvent détruire cette bactérie. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelait tout à l'heure. Donc la propriété, il faut faire la distinction entre agents, donc les propriétés concernant physico-chimique, viabilité, vous voyez les agents chimiques détruits par l'alcool en quelques minutes, c'est-à-dire quand on met cette bactérie au contact de l'alcool et des acides, ça détruit la bactérie. Mais on va utiliser cette propriété tinctoriale, l'acido-alcoolo-résistance. Acido-alcoolo-résistance, c'est une propriété de coloration. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. D'accord. Donc, acido-alcoolo-résistance, oui. On colore aux îles. Mais quand on expose sa bactérie aux différents agents chimiques et physiques, voilà les propriétés de cette bactérie. C'est une bactérie qui est sensible à la chaleur, les ultraviolets, les alcools, destruction par alcool. Elle résiste à la température basse et on peut conserver les virus. Cette bactérie, on peut conserver le prélèvement à basse température. Maintenant, le diagnostic bactériologique. Comment se fait le diagnostic? On sait que la mise en évidence, elle est microbiologique. La certitude, elle est microbiologique. Elle permet, bien sûr, un minimum, c'est de disposer d'un microscope et d'une culture. D'accord? Donc, pour faire le diagnostic microbiologique d'une tuberculose, nous avons donc deux façons de le faire. On a l'examen microscopique et ou la mise en culture. Quand on peut faire la culture, mais l'examen microscopique, c'est le minimum pour faire le diagnostic. Ça reste le critère essentiel et de certitude de diagnostic pour la tuberculose, surtout la culture. L'intérêt de la culture, c'est surtout des tuberculoses extrapulmonaires et qui sont aussi bacillaires. D'accord? Qui sont aussi bacillaires, c'est-à-dire aussi bacillaires, ça veut dire quoi, aussi bacillaires? En petite quantité. Voilà, qui sont pauvres, il y a peu de bacilles. D'accord? Oui. Oui. Voilà, on va continuer. Donc, continuez donc. On sait, donc il y a deux façons de faire. On va commencer par le microscope. Donc, le diagnostic microscopique. Avant de faire le diagnostic microscopique, il faut d'abord qu'on ait un prélèvement. Et là, on distingue deux types de prélèvements. Donc, les prélèvements qui sont d'origine pulmonaire. Les prélèvements qui sont d'origine pulmonaire, le prélèvement facile à avoir, c'est les expectorations. Donc, c'est un prélèvement facile à avoir, bien sûr, quand le patient sait cracher. Parce qu'on a des patients qui ne savent pas cracher. Les femmes, les enfants sont des mauvais cracheurs parce qu'ils ne savent pas cracher. D'accord? Donc, le crachat, c'est des expectorations. Généralement, on demande 3 crachats. Le premier après la consultation sur place. Le deuxième, le lendemain matin, on demande au patient de ramener le prélèvement. Le troisième, il est fait sur place au laboratoire. Quel est l'intérêt de faire sur place au laboratoire? C'est pour faire quoi? La culture. Pour faire la culture, mais c'est pour. Pourquoi on va observer le malade, comment il est comment il crache? C'est pour vérifier est-ce qu'il sait cracher ou pas. D'accord? Donc, on doit vérifier est-ce qu'il sait cracher. Parce que un patient peut ne pas savoir cracher. Si on utilise ce prélèvement et on se base uniquement sur prélèvement, ça peut fausser le diagnostic. Parce qu'on sait, on a dit que les hommes savent cracher, les femmes, les enfants à bas âge ne savent pas cracher. D'accord? Donc, l'intérêt d'observer le patient et de vérifier, c'est de vérifier la qualité de ce crachat. Donc, c'est un prélèvement qui est facile à avoir. Les autres prélèvements qu'on peut faire, on peut demander un tubage gastrique.
le tubage gastrique, surtout chez la femme et les enfants. Cette technique qui est pratiquée en milieu hospitalier, et on va recueillir les mucosités déglutites pendant le sommeil. D'accord. Au réveil au matin, on fait une aspiration, un tubage gastrique, ce qui nous permet d'avoir le contenu gastrique qui peut passer du poumon la nuit. Donc, au réveil le matin, rapidement, on fait des tubages gastriques. D'autres prélèvements plus invasifs peuvent être pratiqués, les aspirations bronchiques, l'écovillonnage, laryngite. D'accord. Donc, généralement, ce qu'on demande, ce qui est facile, les expectorations, on peut demander de faire des expectorations, 3 expectorations. On doit voir notre patient. Est-ce qu'il sait ou il ne sait pas cracher? Si le patient ne sait pas cracher, on peut passer à d'autres prélèvements qui sont un peu plus invasifs, c'est-à-dire agressifs pour le patient, et qui sont le tubage, l'aspiration bronchique et l'écouvillonnage laryngique. Concernant les tuberculoses extrapulmonaires, nous pouvons traiter au niveau du laboratoire d'autres prélèvements extrapulmonaires. Et là, on distingue ce qui est contaminé de ce qui est non contaminé. D'accord? Donc, ce qui est contaminé, c'est les abcès, tout ce qui peut être à l'extérieur et qui peut être contaminé. Les non contaminés, tels que le LCR, parce que c'est un liquide qui est naturellement stérile. Vous avez des questions ou on peut continuer? On continue. Vous avez des questions? Je peux continuer un peu? Oui. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure. Donc, les prélèvements, les extrapulmonaires, en fonction de la localisation, on peut avoir 2 types de prélèvements, ce qui est contaminé, les abcès, les pus, etc. Et ce qui est non contaminé, tel que le LCR, quand on fait un prélèvement, le prélèvement est souvent, quand on parle, donc, c'est un prélèvement qui est naturellement stérile, il n'y a pas de germes à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, nous avons notre prélèvement. Il doit être accompagné d'une fiche de renseignement bien remplie qui comporte les différents renseignements, l'âge, le sexe et l'orientation clinique. La conservation du prélèvement, on sait que c'est une bactérie qui résiste au froid, c'est-à-dire qu'on peut conserver au réfrigérateur un prélèvement s'il n'est pas techniqué rapidement. Dans l'impossible, quand on doit le conserver un peu plus longtemps, je peux faire une conservation chimique par l'utilisation du bromure de cétylpyridinium à 10%. Donc, nous avons une conservation au réfrigérateur, sinon une conservation chimique. Voilà comment je dois étiqueter, vous voyez, jamais n'étiqueter le couvercle, parce que quand on manipule, je peux me tromper, changer de couvercle, le prélèvement, je dois toujours. C'est le pot que je dois étiqueter, le nom, le prénom, le service de provenance. Tout ça, c'est des éléments importants au diagnostic. Maintenant, le diagnostic proprement dit. Donc, dans les techniques microscopiques, comme vous voyez sur l'image, je commence d'abord par la confection du frottis. La confection du frottis, c'est quoi? Vous voyez un bec benzène dans une autre, le crachoir est noir. Je prends une lame avec la main gauche et une once de platine. Je vais prendre un échantillon, de préférence donc mucopurulent, et à côté du bec, je vais l'étaler avec l'anse de platine. Je vais l'étaler sur la lame écrasée pour essayer de disperser, d'accord? Parce que les bacilles, souvent, quand on les voit, ils sont en amas, groupés en amas. J'essaie de faire des tours et d'écraser pour libérer, donc pour disperser ces barres. Par la suite, en bas, vous voyez, je fais la fixation. Première étape, confection. Fixation, la fixation par plusieurs passages pour sécher, je fixe le prélèvement. D'accord, donc je fixe le prélèvement et puis je commence la coloration. Je garde à l'esprit acide alcool résistant. Donc ma coloration, elle se fait par la fuchsine. Première étape, je mets de la fuchsine, je couvre la lame. Donc puis je fais, donc deuxième photo à gauche, je fais passer une flamme. Je vais essayer de faire chauffer. Et puis, troisième photo, je vais passer l'acide alcool, un mélange acide-alcool. Et enfin, je vais colorer par le bleu de méthylène. Donc, finalement, j'ai 4 temps. Première étape en haut, à gauche. Donc, vous voyez, je mets de la fuchsine.
je vais chauffer. Deuxième étape, je vais essayer de décolorer par l'acide et l'alcool. Et puis, je fais une contre-coloration par le bleu de méthylène. Par le bleu de méthylène, après toutes ces étapes de coloration, je sais que, mais vous voyez sur la lame, les barres, c'est des bacilles acide alcool résistants. Ils sont rouges sur fond bleu. D'accord? L'étape de contre-coloration. Donc, je vais avoir des bacilles de taille, ils peuvent être droits, incurvés, ils sont rouges sur le fond bleu. Vous voyez, par exemple, le fond bleu, ça, c'est des polynucléaires qu'on voit à partir du prélèvement. La lecture, elle se fait en créneau. Vous voyez en créneau, c'est-à-dire, je dépose l'objectif du microscope et je vais balayer la totalité de la surface. Je vais faire des allers-retours de telle façon, je vais observer la totalité de la surface colorée. Comment je vais exprimer les résultats? Les résultats sont exprimés, bien sûr, en nombre de barres par nombre de champs. D'accord? Pour dire que c'est négatif, vous voyez zéro barre, c'est-à-dire je ne dois trouver aucun barre sur la 300 champs. Les 300 champs, comment observer? On revient à la lecture en créneau. Vous arrivez à suivre la lecture en créneau, les? Oui. Oui. La lecture en créneau, vous voyez, il y a trois flèches. En allant de gauche à droite et sur trois surfaces. C'est un aller 100, 200 et 300 champs. D'accord? Donc, pour chaque longueur de 2 cm, et donc vous voyez sur une longueur et une largeur, donc 2 cm sur 1, j'ai un aller, deuxième et troisième, ça me fait 300 champs microscopiques. Pour dire une lame, elle est négative, il y a une seule, donc une lame est négative, quand je trouve zéro barre, c'est-à-dire il n'y a pas de barre. Tous les autres résultats, quand je trouve un barre, c'est une lame douteuse. Donc j'ai 1 à 9 barres, deuxième possibilité, de 1 à 9 barres sur la totalité de la lame, on va dire que c'est une lame qui est douteuse. Elle n'est ni positive ni négative. Et l'intérêt d'avoir au départ fait 3 prélèvements. Je fais 3 prélèvements parce que je ne peux pas avoir une tuberculose avec un seul barre ou deux barres. D'accord? Donc, le premier prélèvement, je ne donne pas de résultat, il est douteux. J'ai deuxième lame et la troisième. Par la suite, nous rentrons dans les positifs. Dans les positifs, vous avez faiblement positif, moyennement positif et fortement positif. La différence entre les trois interprétations, c'est la richesse, le nombre de barres. Vous voyez, quand c'est une lame qui est faiblement positive, c'est presque un bar par champ. C'est quoi un champ microscopique? Le champ microscopique pour vous, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est ce que vous voyez ici. Quand je fais la lame sur une surface qui n'est pas bougée, le carré que vous voyez en bleu, où il y a les barres, ça, c'est un seul champ microscopique. Quand le microscope, donc je parcours toute la distance de 2 cm en lecture du créneau, ça me fait 100 champs microscopiques. Vous arrivez à suivre? Docteur? Oui. Oui, docteur. J'ai pas compris la partie du lecture en créneau et les champs. Vous arrivez vous n'arrivez pas à suivre? Si, mais j'ai pas compris. Ciao. Lecture en créneau. On revient à notre microscope. Vous voyez le microscope? On dépose la lanterne sur le porte-objet. Quand je ne touche pas au microscope, c'est un seul champ. C'est un seul champ, ce que je regarde. Maintenant, vous voyez qu'à droite, il y a les microvis. Les microvis, c'est-à-dire qui permet de faire bouger la lame. C'est-à-dire la lame, elle doit bouger. C'est-à-dire on avance, on recule. Oui ou non? Vous arrivez à suivre? Oui. Oui, docteur. Oui. Très bien. Donc, nous, quand on fait l'observation d'une lame, vous vous souvenez, j'ai dit que les barres étaient groupées souvent en amas. On devait les écraser sur l'ouest pour essayer de disperser. Quand c'est bien dispersé, on va les trouver éparpillés sur la totalité de la lame. Donc, quand je fais l'observation microscopique, je dois parcourir la totalité de la surface qui a été colorée. D'accord? Et pour parcourir la totalité, je dois faire des mouvements, faire bouger la lame sur le microscope. Quand on la fait bouger, vous voyez, sur une surface de 1 cm de largeur, sur 2 cm, en fonction de l'objectif, je fais un aller-retour. Vous voyez, de gauche à droite, ça fait 100.
je descends de 0,5, je fais de droite à gauche. On voit le sens des flèches, d'accord ? Les flèches noires sur la lame. Donc, quand je dépose le microscope, je vais varier la vis, elle va avancer, ça me fait 100, 0,5, ça me fait 200, et en bas, ça me fait 300 champs microscopiques. Les champs microscopiques, c'est-à-dire ce qu'on observe sur la lame. C'est plus clair ? Oui, docteur, merci. Très bien, on avance. Voilà, donc les lames faiblement, moyennement positives. Fortement positives quand on observe beaucoup de barres sur un champ. Ça correspond à cette lame, par exemple. Je reviens à 1, 2, 3. Si vous commencez en bas, vous avez deux barres qui sont collées, un grand ici. Vous avez à peu près 10 barres sur ce champ, le carré au milieu, entre le microscope et la lecture en créneau. Là, nous avons à peu près une dizaine de barres. C'est un seul champ microscopique. On peut qualifier cela très riche. Il existe une autre coloration à l'oramine, donc qu'on peut utiliser. C'est une coloration qui utilise l'oramine, un microscope à fluorescence. La différence, c'est que l'objectif, c'est 25. Tout à l'heure, c'est 100. Ici, on observe l'objectif 25. On peut utiliser également d'autres prélèvements par le même type de coloration, c'est-à-dire le tubage gastrique, le LCR, qui sont un peu faibles par rapport au prélèvement. Le critère diagnostique d'interprétation du crachat. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, si on trouve une seule lame sur trois positives, considérée comme positive. Un crachat est positif, c'est deux frottis positifs. Ça répond à la question? Une seule lame, ça ne veut pas dire que c'est positif. C'est pas une seule lame. Parce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est pas le test de référence. C'est la culture qui est le gold standard pour le diagnostic de la tuberculose. Pourquoi? Parce que toutes les mycobactéries sont des barres, bacilles, acides, alcoolo résistants. Un crachat est positif, ces deux frottis sont positifs, avec présence de barres, bacilles, acides, alcoolo résistants. Mais tu as mis, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Merci. Deuxième étape, c'est la culture. La culture, il faut, donc la culture, l'intérêt de la culture, c'est de faire quoi? C'est de confirmer le diagnostic posé par un microscope. Ça permet d'étudier les caractères biochimiques. Ça permet de faire le diagnostic de tuberculose extrapulmonaire. Souvent, le microscope est négatif, l'examen microscopique est négatif. Ça permet de faire quoi? L'étude de la sensibilité, même si on sait que l'antibiogramme n'est pas obligatoire. Et ça permet de suivre l'évolution sous traitement. Quand on met un patient sous traitement, on va le mettre sous traitement. Quand on fait des cultures, ça nous permet de dire positif ou négatif, évolue bien ou pas. Donc, test de sensibilité, c'est ce qui rend la culture un test de référence pour le diagnostic. J'aime toute la différence entre les deux. Là, je peux faire le diagnostic de certitude de l'espèce. Tout à l'heure, barre pour toutes les mycobactéries. Ici, je peux faire l'évolution, test de sensibilité, l'extrapulmonaire, les caractères, l'identification du genre. La culture, elle se fait sur milieu Löwenstein-Jensen. D'accord, donc la culture, elle est faite sur milieu Löwenstein-Jensen. Bien sûr, les prélèvements qui sont non contaminés tels que le LCR, je vais les inoculer tout de suite. Je n'ai pas besoin de faire une décontamination. Par contre, les prélèvements qui sont contaminés, je dois faire quoi? Je dois faire ce qu'on appelle une décontamination. C'est quoi la décontamination? La décontamination, elle permet de faire quoi? Comme le crachat, c'est un prélèvement contaminé. Quand on crache, c'est un prélèvement donc, qui sort du poumon et qui passe au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire au niveau du rhinopharynx. Et là, on a une flore normale. Il y a des streptocoques, donc c'est un prélèvement qui va être chargé de certaines bactéries. Ce milieu de culture, le Löwenstein,